took care of Gongsun Zan, but now Yuan Shao's afraid of me and wants me dead. So my officers and I got out of there and joined up with Liu Bei and Sha Pi. But Liu Bei's a pretty poor ruler, so I went and stole his castle. That made him mad, so he called on Cao Cao to help him come and take it back. It looks like they got some stupid plan to use a river against me. Let them try. What good is strategy gonna do them when my blade comes down on their necks? Their army. It's filled with officers of talent and valor. Lu Bu, do you think that we could really defeat them? Doesn't matter. Their numbers make no difference. By opposing me, they are marching to their own slaughter! La bataille de Xia Pi, qui sera donc notre bataille finale. Nous avons l'alliance de Cao Cao et Liu Bei contre nous. Bon, il est temps pour moi de rééquiper mes items. Puisque je suis de retour en Cao, bien sûr. Je me demande si je vais pas plutôt mettre le remède aux plantes à la place de ma coiffe du démon. Coiffe du démon, c'est bien aussi. Hein. Mais je vais tenter le remède aux plantes. Ce sera peut-être plus efficace. Nous avons pour objectif de vaincre Cao Cao. Nous perdrons si Lu Bu est vaincu. Cao Cao n'est pas là pour l'instant. Avec nous, Lu Bu, Diao Chan, Chen Gong, Zhang Liao, Gao Shun, Yin Li, Wei Xu, Hu Cheng, Song Xian. Contre nous, Xiao Dun, Yu Jin, Xiao Yuan, Li Dian, Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei. L'armée de Lu Bu a été encerclée au château de Xia Pi par Cao Cao et Liu Bei des forces alliées. Mais il est trop tôt pour abandonner. Il faut combiner puissance et stratégie. Bon bah c'est parti pour la bataille de Xia Pi. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de commandant à protéger, c'est nous le commandant. L'inconvénient, c'est qu'on est en chaos. The river is flowing into the castle? Everybody, get to higher ground, we'll drown if we stay here! Alright, quit messing around! It's too dangerous to head out! You'll outlast them if we stay within the castle. Bon, on va faire ce qu'on peut. Hein. C'est une bataille défensive. Il faut essayer de pas perdre nos officiers alliés trop vite parce que j'imagine que ça va être. Army is coming to assist us. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Zhang Fei. Hang in there just a little bit longer. Help will arrive any moment. Tu seras éliminé, Zhang Fei. Tu seras éliminé. Abandonne tout espoir. No, our escape route has been flooded. The enemy is all around us. We need help. Putain, ce qu'il enlève comme like a job for Zhang Liao. Hey, are you too scared to face me? J'ai l'air d'avoir peur. Je suis quand même un peu, mais... Voilà, c'est bon, fait vaincu. J'ai intérêt à garder un Nozu tout le temps au cas où. Hein. Et un Nozourage. Les deux. I dare you to attack me. On va sécuriser le sud-est. Yuan Shu est censé arriver par là. Le renfort du Yuan Shu, ce sera une aubaine. On en a besoin.
Yes. On est chanceux. Un peu. Je garde mon oiseau. Faut pas que je l'utilise. J'en ai sac à merde comme ça. Enfin, faut que j'évite. Ça va. On le récupère quand même assez facilement, généralement, mais bon. Guan Yu. Shameless villain, I challenge you. Scélérat effronté. Carrément. Shameless villain. J'aime pas ça. Merci, Yolin. Si tu pouvais spammer, ce serait pas mal. Spammer le heal. C'est bon, j'ai eu Guan Yu. Bataille difficile. Si j'allais aider mes alliés. C'est-à-dire que le sud-ouest est plutôt sécurisé. Le sud-est, pas le sud-ouest, pardon. Je vais aller au nord-ouest, du coup. Ah, on a perdu son Xian. Les Anglais n'arrivent pas à aider nos alliés. Ce serait bien qu'on ne perde pas Zhangliao, d'ailleurs. Merde, c'est fermé ici. Putain. Faut faire le grand tour, du coup. Fait chier. J'arriverai jamais à temps. Xiao Yuan se déplace. Qu'est-ce que c'est que ça? On a perdu le bastion. Putain, le troufion de merde. De sécuriser la position. J'ai un mesurage que je peux utiliser. I just can't gain the upper hand. Simply not enough. Forgive me, Lugu. Get lost, scum. Je m'en doutais que ça allait arriver. Putain, je l'ai pas tué. C'est bon, je l'ai. Ah, les archers. Can anybody provide me with a decent challenge? Parfait. On y arrive. On y arrive. On a repris le contrôle de cette zone. Non, mais je veux le mezou. Alors vous, je vous laisserai pas reprendre ce bastion. Hors de question. Lubu, your end is near. Voilà, ciao ciao. Is that supposed to be a threat, swine? We're done for. Save me. C'est sérieux hein, vous vous enfuyez? Now the castle is bound to fall. All units attack. Must protect the base for the sake of the reinforcements. Oof.
saleté d'archer. Speed is of the essence. Follow me. Il faut vraiment que je sois attentif. Hein. Désolé si je suis pas très très bavard, mais là, il faut que je sois concentré. Je suis pas très à l'aise en chaos, en sachant que la défaite pourrait me conduire à recommencer tout du début. Les truffions peuvent me tuer. Attention quand même. Oh, Liu Ling, au secours. Liu Ling, j'ai besoin d'aide maintenant. Merci Liu Ling. Ok, c'est parti. On est d'accord, hein, les conditions, hein, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment lourd. Can anybody provide me with a decent challenge? My lord, Yuan Shu's army is headed this way. Parfait. Yuan Shu est presque arrivé. Dommage qu'il n'y ait pas d'officier ennemi, j'aurais pu exploiter un mesurage, mais ça sert à rien. Cette base de ravitaillement sera mienne. Let's go. Bah c'est à nous. Il va falloir que je trouve de la vie là-dedans. Putain. Oh. Faut être sérieux de me donner du mesou là. Oh putain. Les enfoirés. Liu Ling. Merci. Ça peut aller très vite. Hein. Même des troufions, vous avez vu ce qu'ils me font? C'est violent. Ah yes, j'ai eu de la chance, j'ai eu deux fois de la vie. Juste pour mettre mon mesou à fond. Maintenant, je vais récupérer l'autre mesurage. Voilà. Je vais aller prendre le bastion parce que si on n'y va pas directement, on peut combattre ici pendant des heures sans que ça avance. Oh putain. D'officiers dans les parages, ça va. Bon, morale, on est moite-moite hein, pour l'instant. Le camp principal de Cao Cao va être à moi. Ça va être pas mal, il va se retrouver sans camp principal alors que moi j'en aurai un. Encore debout.
Lubu, you should be grateful for our help. Je le suis. Now's the chance. Push them all. Ça y est, on a l'avantage. Elle a fait un heal, Yulin, mais elle l'a foiré. Elle l'a fait à côté, quoi, cette grognasse. Ok. Alors on va attaquer Cao Cao par derrière. Ça me semble pas mal comme idée. Je m'occupe d'abord du bastion qui est sur le chemin. Il faut leur couper toute, toute possibilité de recevoir des renforts. Hein, mais c'est... Même des simples soldats, ça peut faire mal à cette difficulté. Que je puisse attaquer Cao Cao dans les meilleures conditions possibles. Bon, très bien. Ok, deux bastions au nord-ouest, on y va. Ça va, ils apparaissent vite en plus nos bastions. Bastion numéro 2. Ils n'arrivent pas à avancer dans le château de Xiapi, c'est nickel. Ils vont se retrouver pris en tenaille. C'est fini pour eux. Et là, Cao Cao, il est en train de se dire « Merde ! On est saucés ! Et oui, vous êtes saucés. Complètement saucés. Allez, on y est presque. Hors de mon chemin, trop pion. I fear no man. Oh putain, par contre, j'aime pas ça. Oh
En fait, il y a Xiaodun plus Cao Cao. Du coup, c'est super méga giga ultra archi dangereux. Il faut que j'isole Cao Cao, il faudrait que j'arrive à me débarrasser de Xiaodun en premier parce que sinon I knew your reputation was nothing but talk. Ouh. Yeah. Afraid of me now, are you? J'ai pas peur. Je vais juste faire une petite promenade. Dans une base de ravitaillement, par exemple. Liu Ling, au secours! Non, 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 non! Xiaodun arrive. Liu Ling, s'il te plaît. Liu Ling, je t'en prie. Je t'en supplie, Liu Ling. Bah ouais, mais fais pas ça pendant que je m'éloigne, Liu Ling. Ok, j'ai besoin de toi maintenant. Merci, Liu Ling. Xiaodun est mort. Can anybody provide me with a decent challenge? Amazing. He took them all on, all by himself. No ordinary strategy will work against Lu Bu. Ouais, du coup, il reste plus que Cao Cao debout. I shall give it everything I got. Give them everything we got. Faire gaffe parce qu'en plus avec son hyper armor là, il a attaque x2 en plus. Au moindre souci, j'appuie sur le bouton pour enclencher le mesurage. Pas de risque, hein. J'utilise les mêmes attaques, c'est un peu dégueulasse, mais il faut ce qu'il faut. Voilà, il est balancé. Everyone else can die for all I care. Putain, il est pas mort. Pas de risque. Oh putain, il a réenclenché un mesurage. Vaut mieux rester à distance. Je sais que la moindre attaque pourrait peut-être me tuer, donc je suis vraiment prudent, hein. Je suis désolé. Là, il l'a pris. On pourrait le réenclencher par contre. Putain. C'est bon, on m'a redonné de la vie, c'est bon ça. C'est bon. C'est ma ambition. Not enough to conquer the land. On a tué Cao Cao. Anybody provide me with a decent challenge? Une victoire avec Xiapi. On s'en est sorti. Du coup, Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, Cao Cao sont morts. Moi qui devrais pas mal changer l'histoire. I have defeated the villain Cao Cao and brushed aside his cowardly water attack. Neither troops nor pathetic plots can overcome my might. Dong Zhuo, Cao Cao. All that have stood against me have perished. None can oppose my might. Are there any left willing to face me? Anyone at all? Plus personne n'osera affronter le puissant Lu Bu. And you bought this body. Tout ça pour un garde du corps C, quoi. Yu Zong. Bien. Maintenant, c'est terminé. Je vous laisse profiter de la endgame.
It was during the final days of the year 200 AD when the Han Dynasty saw its end. Its demise ushered in a new era of chaos, brought on by several regional lords vying to rule China. There were those who sought absolute power, as well as those who fought for justice, and some simply fought for the sake of their beliefs. Many would rise and fall in their attempts to dominate the land. Lu Bu, from the land of Wu Yuan. An incredible warrior, he was feared and was likened to that of a war god on the battlefield. It is said the mere mention of his name could make even the most seasoned officer tremble. Dong Zhuo, wanting to take over the capital, employed Lu Bu to aid him in his endeavor. With Lu Bu at his side, Dong Zhuo was able to spread his tyranny throughout the land. At the zenith of Dong Zhuo's reign, a beautiful dancer by the name of Diao Chan appeared at court. Lu Bu and Dong Zhuo's relationship deteriorated as both of them vied for her affections. Lu Bu killed Dong Zhuo for Diao Chan. Afterwards, he served Yuan Shao, but was quickly released. He became a vagabond, wandering the land. Everyone knew of his treachery, and not a single person trusted him. He finally ended his life as a wanderer when he seized Shaopi Castle from Liu Bei. Angered, Liu Bei allied with Cao Cao and desperately fought to win back his castle. However, their combined efforts failed in the face of the mighty Lu Bu. Despite this incredible victory, he still had a feeling of emptiness inside him, for now he was truly alone. However, he would not allow his despair to overcome him. Together with his steed, Red Hare, he rode off in search of what new challenges might await him. These tales, passed on for generations, have endured the tests of time and live on today. The legendary warriors are praised and respected as if they were the gods themselves. Et voilà. Nous avons, sans compter la bataille du mode légende, fait 4 niveaux, un total de 2263 hommes vaincus, un total de 18510 points, pour 55 minutes et 17 secondes. À la bataille de la porte de Sichui, nous avons tué 459 personnes, à Oulao 640, à Changshan 466 et à Xiapi 698. Allez, reste plus qu'à regarder la petite cinématique de fin. Pour terminer. Pathetic. Not even one person could match my power. I must keep searching. Until I find a challenge! Bon, bah voilà. Lu Bu, Zhang Liao et Diao Chen partent pour de nouvelles aventures. Je sais pas trop ce qu'ils vont aller foutre.
En tout cas, ils ont carrément détruit le royaume de Cao Cao et ils ont détruit Liu Bei. Ça va complètement changer l'histoire, mais techniquement, dans le pays, il reste qui ? Il reste Yuan Shao qui est encore debout. Li Jue et Guo Xi, non, eux, c'est déjà fini à cette époque-là. Bon, il y a Ma Teng hein, qui est toujours vivant. Il y a Liu Zhang. Il y a Sun Quan. Non, même pas, c'est pas Sun Quan, c'est Sun Ce encore. Donc, je veux dire, il pourrait essayer au moins d'unifier le pays, non ? Sinon, il va partir affronter l'Empire romain, j'en sais rien, mais bon. Enfin bref. Je vous remercie d'avoir suivi le Let's Play de Lubu et on se retrouve pour le personnage suivant.